Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence ce mois-ci avec le thème d'Halloween, c'est sûr, certain. J'ai pour but de faire peut-être deux vidéos par semaine, si je suis capable. Ouais, pour cela, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas vraiment eu d'inspiration, là. J'avais juste l'idée d'avoir une petite fille déguisée sur une citrouille. Puis c'était pas mal ça, mon idée. Puis, après ça, j'ai dessiné des petites amies à côté. Fait que c'est pas mal ça mon idée du début. Okay, au début, je voulais faire un costume d'ourson. Puis après ça, ben je sais pas, je suis comme plus sûre si ça ressemble à un ourson. Parce que j'étais allée le dessiner turquoise. Mais bon. C'est l'Halloween, fait qu'on se pose pas trop de questions. Ici, je dessine sa première amie que je dessine déguisée en sorcière. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours une de nos amies qui va se dire que c'est un sorcière, l'Halloween. C'est sûr, certain. La troisième, vous l'aurez deviné, ça va être une princesse. Ok, fait qu'ici, j'ai essayé de dessiner un arrière-plan, puis ouais. Pour dessiner des arbres, je suis vraiment pas bonne, c'est. Je dessine pas souvent des arbres, fait que. Puis là, en plus, j'essaie de le faire un peu épeurant, spooky. Fait qu'on peut me voir effacer souvent. Même le commence à tourner en dernier, je suis pas vraiment contente, mais bon, c'est avec ça que j'ai été. C'est très très rare que je travaille sur des arrière-plans. Je suis vraiment plus le type de dessiner juste des personnages, puis et voilà, c'est terminé. Ici, j'ai changé de scène. J'ai juste coupé la scène que je faisais toute l'encre. Je voulais pas que ça aille trop long comme vidéo, parce que sinon, ça aurait été au moins 20 minutes juste à me regarder faire l'encre que vous m'avez déjà vu dessiner. Fait que je me suis dit que j'allais couper ça au montage. Maintenant que je la regarde, je trouve que le sac de bonbons que j'ai fait qu'elle tient dans ses mains, il est vraiment trop petit. Il aurait fallu que je le fasse un petit peu plus gros. On dirait qu'elle porte plus un pyjama qu'un costume de d'ourson. Du recyclage. Pour la princesse, j'ai manqué d'encre dans mes deux crayons mauves. Fait que ça a mal tourné. Mais ça a quand même bien sorti. Oh well.
Fait que comme j'ai de projets, c'est faire 2 vidéos semaine, peut-être plus, ça va voir comment ça se passe. Si vous avez des idées de qu'est-ce que je pourrais dessiner pour l'Halloween, c'est sûr que je vais faire une sorcière, des zombies, des vampires. Si vous avez d'autres idées, je me laisse en commentaire. Ici, j'ai essayé de faire un genre de coucher de soleil avec des nuages à l'arrière, mais ouais, les backgrounds, les arrière-plans, c'est pas pour moi. Je suis vraiment pas bonne pour ça. Fait que ça a l'air d'un œuf de Pâques, mais bon, j'ai essayé de régler le problème en mettant comme des petits bonbons aux alentours pour faire comme ça serait vraiment un arrière-plan plané. Je sais pas. Fait quoi, ouais, ici je repasse avec mes marqueurs par-dessus mes crayons couleur parce que j'aimais vraiment pas qu'est-ce que ça donnait comme effet. J'essaie de régler le problème avec, mais ça fait juste empirer. Ici, ça a coupé de scène parce que mon cellulaire a fini de. La batterie est morte. Fait que, on peut voir que j'ai mis des petits points noirs un peu sur l'arrière-plan pour essayer de rendre ça plus beau, mais. Encore là, j'étais un peu déçue. Mais bon, je trouve qu'il est quand même bien. Et voilà, c'était ça mon premier vidéo pour l'Halloween. Fait que je vous souhaite un beau mois de octobre et à la prochaine. Merci pour tous les partages, les likes et les commentaires. N'oubliez pas de me laisser vos idées pour les prochaines vidéos. Au revoir!